forfait de Romain Ntamack laisse un grand vide. L'équipe de France avait bâti autour de son association avec Antoine Dupont ces dernières années en prévision de la Coupe du Monde. Et une partie du destin des Bleus dans ce mondial à domicile allait reposer sur les prestations de son ouvreur clé. Orpheline de son génie toulousain, la charnière de l'équipe de France n'aura pas tout à fait la même allure le mois prochain. S'en trouve-t-elle pour autant largement diminuée? Le débat agite le monde du rugby, mais les bookies, abréviation de bookmaker, ont tranché. Pour de nombreuses agences de paris en ligne. À l'instar de Bet365, ce forfait aura un impact considérable, si bien que la Nouvelle-Zélande, qui affrontera le 15 de France en ouverture du tournoi vendredi 8 septembre, est légèrement passée favorite, avec une cote à 3,50 pour la victoire finale contre 4,00 pour la France. Pour d'autres bookmakers, tels Unibet, certes moins nombreux, la France et la Nouvelle-Zélande sont toutes de côté à 3,75 pour la victoire finale, devant l'Afrique du Sud et l'Irlande. Sorti à la 58e minute du dernier des deux matchs que l'équipe de France disputait contre l'Écosse dans le cadre de sa préparation, Romain Ntamack s'est blessé sur un plaquage. Il souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. En son absence, le numéro 10 de l'Union Bordeaux-Bègles Mathieu Jalibert pourrait bien être le remplaçant désigné pour occuper le poste de titulaire durant le tournoi. Le 15 de France a encore deux matchs de préparation à disputer, contre les Fidji samedi à Nantes, puis face à l'Australie. Outre la Nouvelle-Zélande, les Bleus défieront l'Uruguay jeudi 14 septembre. La Namibie 21 septembre et l'Italie 6 octobre dans la poule A de ce mondial à la maison.